Bonsoir, je m'appelle Yassine Bellatar, je suis né le 27 juin 1982. Et à mon époque, on s'en battait les couilles de savoir qui était musulman, juif, chrétien, noir, gay, tout ce que tu veux. On était tous égaux face au Club Dorothée. Aujourd'hui, je suis un humoriste en colère parce que la marque Decathlon a décidé de retirer un produit qui se nomme le hijab, tout simplement parce que les populistes ont tellement fait pression que ça a fait baisser le cours de bourse de Decathlon. Que Decathlon a pris peur, ils l'ont retiré. Alors je sais pas à quel moment la France est devenue ça, on est devenu la risée du monde. Maintenant il va falloir qu'on demande l'autorisation pour vendre ou pas certains produits, comme les cagoules des enfants, est-ce que c'est islamiste? Par exemple, quand vous allez vendre des gâteaux sans porc, est-ce que c'est islamiste? Qu'est-ce qui est islamiste, qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce que visiblement, nous on ne sait pas. Juste préciser qu'on est français à part entière, que vraiment on s'en bat les couilles de votre populisme à la con, et que moi j'appelle à un grand rassemblement. Le 13 avril et à la place de la République pour montrer notre mécontentement. Ça sera la place de la dignité, c'est tout ce qui nous reste. Vous pouvez prendre nos appartements, nos maisons, nos voitures, nos chiens, nos chats, mais notre dignité, c'est non. Donc on est des parents maintenant et on va rester dans ce pays.